Bonjour à tous, c'est Legba qui vous parle, et bienvenue dans ce 2.0 numéro 1, émission dans laquelle je vais m'efforcer de prendre un jeu que j'affectionne, de vous expliquer en quoi, à mon avis, le jeu aurait pu être plus audacieux, développé, optimal. Dans ce premier épisode, nous allons aborder le cas de Game Dev Tycoon, petit jeu indépendant dans lequel nous sommes une entreprise de développement de jeux vidéo, devant tracer sa route à travers l'histoire vidéoludique. Mais comment cela se passe-t-il? On commence avec l'ère du Commodore. Du Commodore. Car oui, toutes les franchises, les consoles, les boîtes et les jeux mentionnés dans ce jeu seront en fait des consoles, des boîtes, des franchises ou des jeux comme celles existant dans notre monde, pas tout à fait. Exemple, Sega égale Vena. Activision égale Activisionnaire. Je n'approuve mais alors pas du tout ce jeu de mots. GameCube égale GameSphere. Et Sega Genesis égale Vena Oasis. Enfin, je crois que vous avez compris le principe. Donc je disais, on commence avec l'ère du Commodore 64 et du PC, pour peu à peu évoluer. Et le Mac? Ça n'existe pas. Je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Je suis parfaitement capable de jouer. J'ai des jeux, je peux jouer? On zappe complètement les consoles d'Atari et l'ère des bornes d'arcade pour directement arriver au stade des consoles 8 bits de Nintendo et Sega. Arrive ensuite l'ère du 16 bits, puis du 32 bits. Et la disparition de Sega avec la Dreamcast du marché des consoles, l'arrivée de Microsoft avec la Xbox, etc. Jusqu'à arriver à la génération de la PlayStation 5 et de la Xbox Next. Ouais, ils font aussi un peu d'anticipation. Alors, hormis le blackout sur la Sega Saturn, fait pour une raison qui m'échappe, et l'absence de tout ce qui a précédé les consoles 8 bits, ainsi que celles des Mac alors qu'elles sont quand même au moins un peu impliquées dans le monde du jeu vidéo. Sinon, j'ai un super jeu d'échecs en 3D. Tout va très bien. Les consoles sont bien représentées et ont de véritables différences entre elles. Par exemple, le public cible auquel elles donnent accès, ou les types de jeux qu'elles peuvent faire tourner de façon optimale. La musique est cool, et les graphismes tout en dessin, corrects et mignons. Les textes sont immersifs, bien qu'un peu envahissants, et tout ça nous pose dans une ambiance décontractée. Et hormis les quelques manquements cités, qu'un patch ne manquerait pas de corriger, tout va bien. 7 sur 10. Pour ce qui est du gameplay, élément important dans un jeu de ce genre-là, j'ai plus de choses à dire. 6 sur 10. Le gameplay est assez simple. Vous dirigez votre équipe, vous choisissez un jeu, le type de jeu, les éléments incorporés dedans. Vous décidez des priorités, vous répartissez le travail entre vos différents employés et le jeu se lance. Il y a une part de gestion, une petite part d'aléatoire, notamment avec cette manie qu'auront parfois vos employés de se gratter la tête pendant des semaines avant de reprendre le travail. Ou avec la tendance du moment pour un jeu visant un certain type de public ou un certain type de jeu. En somme, un jeu indé comme on les aime. En plus de faire un bon jeu, il faut aussi savoir le vendre. Il revient donc à vous de prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire connaître votre jeu et ainsi en vendre des exemplaires en nombre suffisant pour rentrer dans vos chiffres. Ceci dit, le gameplay possède quelques défauts qui, je pense, seraient assez facilement rectifiables. Les premières choses à souligner, ce sont de simples soucis d'ergonomie. On commence le jeu seul dans un garage, puis quand on a assez grandi, on déménage dans des locaux plus spacieux, où on peut engager jusqu'à, dans un premier temps, 4 employés. Et là, les premiers soucis pratiques commencent. Ce sont des détails, mais assez embêtants, surtout dans un jeu plein de bonnes idées comme celui-là. Le premier exemple, c'est le fait qu'au fur et à mesure qu'ils travaillent, les employés se fatiguent, ce qui est logique. Le problème, c'est qu'on ne peut absolument pas voir où ils en sont, avant que la fatigue ne commence à faire ses effets sur leur travail. D'un coup tout va bien, tu lances la fabrication d'un jeu et ton employé commence à piquer du nez. Un peu chiant, mais on s'y fait assez vite en apprenant à estimer plus ou moins la durée moyenne avant qu'un employé ne commence à en avoir marre. Autre petit problème technique, quand tu engages un nouvel employé, il faut un peu de temps avant que ton nouvel employé, et les autres, y compris toi, s'adaptent à celui-ci, pour travailler de façon optimale avec lui.
Seulement, il y a un os. La barre qui indique le degré d'adaptation des personnages les uns aux autres et la barre de fatigue ont exactement le même aspect. Ce qui fait qu'à supposer que tu engages un employé au moment où un membre de ton équipe est en train de piquer du nez, il est assez difficile de s'en rendre compte. Immédiatement, du moins. Et cela peut vraiment jouer des tours. Autre petit souci, l'absence d'une commande pour envoyer tous tes employés en vacances en même temps. Vu que le fait de vouloir les faire partir en vacances en même temps pour qu'ils soient tous frais et dispo au même moment est plus ou moins logique, on se retrouve souvent dans la situation de devoir faire clic droit, partir en vacances jusqu'à 6 fois de suite pour pouvoir le faire. Bon, tout ça, ce n'est pas grand chose, ce sont des petits défauts, mais ça a son importance et je pense qu'un patch se devrait de remédier à tout ça. Après, si ce jeu possède un très bon gameplay, par moments, celui-ci manque parfois cruellement d'audace. Bon, Greenheart, l'entreprise qui a fait ce jeu, est une boîte indépendante ne possédant donc pas de moyens illimités. Et qui en est en plus à son premier jeu en comptant Game Dev Tycoon. Et autant vous le dire d'office, j'ai connu des premières fois plus désagréables. Mais encore une fois, si un patch devait sortir, voici quelques ajouts à faire. Premièrement, comme je l'ai dit, l'histoire du jeu vidéo est très bien respectée, dans les grandes lignes. L'absence d'un équivalent à la Sega Saturn, étant que j'y suis à la Mega CD, ne devrait pas être difficile à corriger. En revanche, une idée de gameplay a été très largement sous-exploitée, celle des mauvaises consoles. Quand je vois la Dreamcast sortir, même si j'aimais beaucoup cette console, j'étais conscient que sortir des jeux sur cette console était une mauvaise idée, étant donné la veste qu'elle allait forcément se prendre. Mais je me suis demandé, pourquoi ne pas reprendre un maximum de mauvaises consoles et grâce à un système de défis, inciter les joueurs à prendre le risque de sortir des jeux sur ces consoles? Je vois déjà les achievements qu'on pourrait débloquer. Scatophile, sortir un jeu sur toutes les consoles de merde au monde en une seule run, pour ne pas rester dans les annales du jeu vidéo. Colombophile, réussir à vendre 1 million d'exemplaires d'un jeu Atari Jaguar, pour bien montrer que tu prends ceux qui te soutiennent ta boîte pour des pigeons. Ça pourrait être drôle. Ce jeu a accès à une histoire pleine de couloirs obscurs et d'échecs cuisants. L'histoire du jeu vidéo, et il n'en tire pas toujours autant parti qu'il pourrait. C'est fort dommage. Je regrette aussi que l'histoire du jeu vidéo soit si figée par rapport à la réalité. Pourquoi est-ce que réussir à sortir plusieurs hits sur la Dreamcast ne changerait-il pas le destin de cette console et de Sega? Et pourquoi ne pas nous proposer par exemple, je ne sais pas, des scénarios alternatifs dans lesquels nous incarnerons par exemple une compagnie déjà existante, Sega ou Activision, pour nous proposer des scénarios plus variés et personnalisés? Ensuite, pour créer un jeu, il faut associer plusieurs critères. Un type de jeu, action, aventure ou RPG par exemple, et un thème de jeu, espace, alien ou horreur par exemple. En avançant suffisamment dans la partie, on pourrait chercher les jeux multijoueurs et donc associer l'action à l'aventure par exemple. On ne peut malheureusement pas associer différents thèmes de jeu. Et pourtant, j'aurais aimé faire de l'horreur dans l'espace, de l'horreur dans un hôpital, de l'horreur avec des aliens, de l'horreur avec des tas d'autres trucs. Oui, j'aime beaucoup l'horreur. C'est fort dommage, parce que ça nous donne pas vraiment l'impression de contrôler le jeu qu'on a envie de faire. Et en parlant de contrôle, j'ai bien cherché, je n'ai trouvé aucun véritable moyen de faire un jeu de plateforme. Et pourtant, c'est quand même la base, le summum du culte de la génération 8 bits. Pourquoi je ne peux pas faire des jeux de plateforme? Encore une fois, dommage. Autre point dans lequel le jeu excelle, c'est la gestion du personnel, et le fait de nous faire sentir que l'on progresse. On change de bureau, on engage du personnel, on peut le former, on monte de niveau. Là-dessus, pas de problème, mais quelques améliorations sont largement possibles. Premièrement, la résistance à la fatigue. La fatigue est sûrement la chose qui vous mettra le plus les bâtons dans les roues dans ce jeu, et pourtant il n'existe aucun moyen, quel qu'il soit, d'augmenter l'endurance de votre personnel, et c'est quand même un grand manque à gagner. Mais pour le reste, on peut booster leur vitesse de travail, leur capacité à générer des points de design ou de technologie pour les jeux, leur capacité à générer des points de recherche qui servent soit à renforcer les capacités des employés, soit à rechercher de nouvelles technologies pour vos jeux. Ça reste assez complet et fonctionnel, et bien qu'il existe une limite à la capacité d'apprentissage de vos employés, elle se situe très loin. Et il m'a fallu une quarantaine d'heures pour me rendre compte qu'elle existait. Parlons-en des limites du jeu. Une fois que vous avez passé l'ère de la PlayStation 5, vous finissez par recevoir un message qui vous dit que le personnage que vous incarnez, auquel je donne généralement mon pseudo, va recevoir une récompense pour sa carrière dans le monde du jeu vidéo, ce qui représente la fin du jeu. Nous pouvons continuer après, sauf qu'aucun des événements particuliers qui ponctuent le jeu auparavant n'apparaît plus. Éléments qui, soit dit en passant, ne sont malheureusement pas très variés, mais malgré tout, sympathiques. Enfin, je suis mauvaise langue, car étant donné qu'il faut bien plus que jusqu'à la fin du jeu officiel pour tout débloquer, on ne le remarque pas. Par exemple, je n'ai découvert qu'au bout de ma 5e ou 6e partie, la possibilité de développer un laboratoire de recherche et un laboratoire technique, ce qui nous permet de sortir notre propre plateforme d'achat de logiciels en ligne, façon Steam, ou encore d'organiser notre propre conférence ou de sortir notre propre console.
Le problème, c'est qu'on est très vite limité par la quantité infime d'améliorations possibles à ce stade, pour ce qui est des processeurs du moins, même si c'est resté très drôle de sortir la Dreamcast 2. Un rêve de geek qui se réalise, enfin un rêve de Sega fanboy. Autre et dernier petit défaut, mais ça, je n'entendrai pas vraiment rigueur aux développeurs, c'est le fait que le jeu devienne très laggy quand vos laboratoires et votre équipe sont au travail en même temps, étant donné que le nombre de particules à l'écran résultant de leur découverte devient très vite assez difficile à gérer pour le moteur du jeu. Voilà, avec cette constatation, je crois que tout est dit, nous pouvons passer à la conclusion. Le gameplay de Game Dev Tycoon est excellent, là n'est pas le problème, mais il souffre malheureusement par moments d'un cruel manque d'audace, à d'autres moments de petits soucis d'ergonomie qui ne rendent pas l'expérience aussi agréable qu'elle pourrait l'être. En conclusion, si je devais noter mon expérience de Game Dev Tycoon, je lui mettrais un 8 sur 10. Faisons une moyenne, 7 sur 10 pour l'ambiance, 6 sur 10 pour le gameplay, 8 sur 10 pour mon expérience. On obtient une moyenne de 7,25 sur 10. Et je vais être gentil, je vais arrondir au-dessus pour obtenir un 8 sur 10. Et vous savez quoi? À cette moyenne, je vais ajouter un point. Pourquoi? Pour deux raisons. Comme je l'ai déjà dit, Green Hat Games en était à son coup d'essai avec ce jeu. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que voilà. Mais aussi parce que le concept du jeu est juste génial. Si je devais définir un jeu indé en quelques mots, ce serait des jeux faits par des gamers pour des gamers. Et ce jeu entre parfaitement là-dedans. On sent que ceux qui ont fait ce jeu se sont éclatés à le faire, avaient une idée et ont voulu la porter aussi loin que leurs moyens le permettaient. Qu'ils ont voulu réaliser le fantasme de tout gamer, celui de refaire l'histoire du jeu vidéo selon sa propre envie. Bien que cette idée puisse être portée encore plus loin qu'elle ne l'a été, elle est déjà très développée. Et malgré mes 100 heures de gameplay sur ce jeu, je prends toujours plaisir à refaire une partie de temps en temps. Ma note finale sur Game Dev Tycoon est donc de 9 sur 10. Et que faudrait-il ajouter à ce jeu? Plus d'aléatoires, plus d'éléments de scénario, plus de combinaisons et de types de jeux possibles, et un endgame plus reculé avec plus d'améliorations possibles. Largement ce qu'une extension ou un patch pourrait contenir. À supposer que vous regardiez ceci un jour, Green Hat Games, sachez que si ce patch ne sortait pas, contrairement à ce qui se passe dans le jeu, je ne serais pas déçu. Je comprendrais très bien que vous souhaitiez passer à autre chose, que vous n'ayez pas l'envie ou les moyens de le faire. Qui plus est, le jeu est déjà extrêmement bon comme ça. Mais s'il sortait, je pense vraiment qu'il donnerait à votre jeu la seule chose qui peut éventuellement lui manquer. Une replay value encore plus prononcée et des combinaisons de choix et de possibilités véritablement infinies. Game Dev Tycoon, bienvenue dans le panthéon des jeux indépendants selon moi-même. Et voilà, ainsi s'achève ce 2.0 sur Game Dev Tycoon. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager sur tes réseaux sociaux préférés, ça fait toujours très plaisir. Et si tu souhaites donner ton avis ou proposer un jeu indépendant que je puisse chroniquer, tu peux laisser un commentaire. Tu connais le chemin, c'est en dessous de la vidéo. C'était Lekba pour Crossroads, terminé.